Après avoir attendu tout ce temps, enfin, un youtubeur a fini par leak des choses très importantes de la part de Blossfree. Ouais, il a leak une information qui n'est pas du tout censée être livrée au public. Normalement, c'est Indra et les admins qui sont censés divulguer des informations de la part de la mage et aussi de la prochaine race. Mais sauf qu'un youtubeur s'est permis de divulguer des informations très importantes. Il s'agit vraiment du nouveau style de combat qui arrive dans pas longtemps, qui se nomme Divine Art. Oui, ainsi que la nouvelle sword qui se nomme Dragon Heart, que Indra avait sur son dos. Oui, comme vous pouvez le voir dans cette image. Donc, le gars, il se nomme Arctus 123. Blossfree, nouvelle race, PNG, quête, heal et les choses que vous devrez vous préparer pour la prochaine mise à jour. Alors tout d'abord, il y aura les trois swords qui sont là, les trois swords légendaires qui permettent d'avoir le triple katana. Ils vont être changés de nom. Donc du coup, normalement, la Sati qui est ici, la Wando, elle est là, ainsi que la Sishui, elles vont être modifiées de nom. Donc ils vont plus être appelés par ces noms-là. Donc ça veut dire automatiquement que les noms qui ont été attribués vont être modifiés par ces trois noms qui sont marqués là dans la vidéo: Sanchi, Shizu et Orochi. Orochimaru. Et ici, normalement, quand on rentrera dans un serveur, ça sera marqué carrément le mode serveur si c'est par défaut. Normalement, le mode défaut, c'est par public ou par serveur privé. Et ça, c'est ce qui va être ajouté. Et une fois qu'on aura un serveur privé, on pourra avoir quelques petits perms. Enfin, on pourra kick des gens quand on les aura en serveur privé. J'ai trop pitié pour les joueurs mobiles parce que pour M1, franchement, ils auraient un touche qui sera appelé Punch. Waouh, vraiment, ça c'est pas très cool tout ça. Dans cette vidéo de laquelle elle se nomme Nouvelle Vidéo Dragon Heart, dans cette vidéo là, c'est là où se trouve le leak de la nouvelle sword qui arrive dans la prochaine mage. Et là, je vais vous l'afficher en grand écran. Personnellement, les attaques, ils sont vraiment incroyables. Ouais, j'espère juste qu'ils vont pas être modifiés parce qu'étant donné que ça a été leak, il y a forte possible que ce soit modifié. Parce que Blossfree, on sait très bien qu'une chose qui est leak, pour eux, c'est une petite perte. Mais pour nous, c'est un truc en plus. On aime toujours les trucs nouveaux, mais eux, ils aiment pas qu'on les sache en avance. Après quand même tout ce temps qu'ils sont en train de les faire, c'est logique. Dans une autre vidéo de laquelle il l'a fait, Divine Heart full move, en gros ça c'est le move complet, en gros il a carrément fait un showcase de la Divine Heart qui coûtera environ 1500 fragments. Donc ici, hop, si on avance un peu, déjà les M1, ils sont vraiment incroyables. Ouais, grave. La première attaque, elle est déjà incroyable. C'est un truc de dingue. Ici, nous avons la deuxième attaque. Elle est aussi pas mal du tout, franchement, je trouve. Et voilà, enfin, l'ultime troisième attaque. Elle est extrêmement incroyable. J'arrive pas à y croire. Parmi toutes ces attaques, l'attaque C, elle est vraiment incroyable. On dirait clairement que c'est la
que c'est une des attaques du Freedom Portal. Quand on appuie sur V pour aller dans l'animation, on a un peu l'impression que c'est le même endroit qu'on se trouve. Ouais, regardez-moi ça, regardez-moi cet endroit. Ici, c'est tout bleu par contre. Hein. Avec le nouveau style de combat, ça sera tout jaune, alors que là, c'est tout bleu. Waouh. Mais c'est quand même incroyable. Après vous avoir présenté tout cela, pour l'instant, il n'y a encore pas d'actualité sur la nouvelle mage. Mais s'il y a d'autres actualités et d'autres infos, j'hésiterai pas à vous mettre au courant. Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour toujours être au courant de tout ce qui va arriver. Voilà, parce que ce qui va arriver, vraiment, ça va être un truc de dingue. Sur ce, on se rapproche vers la fin de cette vidéo. Le plus important dans tout ça, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Moi, j'aime bien.